Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Dead Space Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Qu'est-ce qu'il fait pour se projeter de même, lui? Ah, tabarnak. Y. J'ai pas vu qu'il nous explique. Ben, deux jours plus tard. Toute la faute à Jess. Sortie zone sans gravité. Vous avez trouvé, utilisé ça avec la thermite pour détruire la barricade. Merde! On dirait qu'ils s'approchent. Je les entends dans les conduits. Faites gaffe, Isaac! Entrée zone sans gravité. Je veux dire.
Sortie zone sans gravité. Sans gravité. Ah, bah, ouais, hein. Sortie zone sans gravité. Sortie zone sans air. What? Fogger Think Night, what's up?
putain. What's up, Forgotten Knight? Ah, oh, je viens de comprendre. What's up? Zero et Axe 2. Ok, on y est. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. Hello, Jess.
marche en deux en trois, ces affaires-là. Hasta la vista, baby! Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi. Morgan Knight, welcome to my channel, my friend. Take your place, look at me. Oh yeah. You speak French, English? Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fiske. Je me réveille juste d'hypersommeil et je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. J'entends comme des rats dans les murs. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Vous êtes médecin? Où sont passés les... Oh oui, je vous connais. Vous êtes Harris, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière. Pitié! Aidez-moi, je vous en prie! Pitié! Non. Benjamin, comme nous en avons déjà discuté, je vous demande de repousser le transport du monolithe d'un jour ou deux. Je suis plus impatient que quiconque à l'idée d'étudier les vestiges. Je comprends votre volonté suite aux événements de la colonie. C'est précisément pour cela que je vous demande un délai. Ce qui est à l'œuvre ici est trop exceptionnel. Pour ne pas en étudier les causes, le temps qu'il faudra suite à une discussion avec le docteur Mercer, j'aimerais également m'entretenir avec les docteurs Ceasarello et Wallan.
de votre bonne amie, Terra. Elle est morte, ok. Je me concentre à tuer cette tabarnak-là. Putain de charrue! Ouais, j'ai compris, là, pas obligé de le faire 12 fois, là.
Putain de chienne! T'es calice, toi! Maudite bébé ta marde! Journal du docteur, capitaine. C'est une tristesse que je prononce officiellement la mort de Benjamin Mathieu. Les circonstances exactes de la mort restent discutées et dépassent mon travail. Je ne peux que témoigner du corps sujet en bonne santé pour son âge, même si un test sanguin superficiel indique un taux de leucocytes très bas et une absence presque totale d'éosinophiles. L'examen antérieur à l'embarquement ne mentionnait rien et un tel laisse suppose un problème récent. Il n'aurait toutefois pas causé la mort. Contusion multiple sur les bras et les mains indiquant une brève intercation. Légère contusion autour de la cage thoracique suggérant une pression au niveau de la poitrine. La mort a été causée par un traumatisme prolongé du globe oculaire qui a gagné le lobe frontal, entraînant une attaque cérébrale, puis l'apoplexie. Et la mort d'une telle blessure implique une agression extrêmement violente, ce qui inclut très probablement l'automutilation. Je ne vois donc aucune obligation de déclarer provisoirement un décès provoqué par un meurtre, qu'il soit volontairement ou non, n'est pas de mon ressort. Une dernière fois rapidement. C'est où j'étais tantôt, ça? Ah oui, c'est là que j'étais. Je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont.
Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée, en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévie de notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces... Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang! Tenez-le bien! Merde. Fin de transmission. C'était Nicole. Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Fait peur, ça. Jess! Ah, faut le vendre, ça. Ton jeu, ça, c'est toi qui l'as choisi. Non, c'est pas vrai. Souvent une demande, pourquoi? Il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4 encore! Là. On commence par le 1 par exemple. Ça manquait un monstre qui tuait beaucoup là. Ouf! Ça m'a fait peur d'un maudit. Il m'a tout arraché la peau sur le dos. J'ai acheté un gun. Yeah.
L'infection qui ravageait le vaisseau. C'est déverrouillé. Radar laboratoire. Épisode 2 terminé. Grâce à Jess. Jess un jour, Jess toujours. Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Je suis ailleurs, hein. Je suis pas à la même place en tout. Je suis pas à la même place. Yo, c'est pas là où je voulais aller. Ah, les balles d'assaut, c'est pas le même gun. Ok, là, c'est ça. Ok. Je vais changer mon gun. Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait deux jours qu'ils ont cassé cette planète et que Matthews est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant, on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Sauvegarde. Ça, je pense que il y a du stuff là. Ça, c'est un ascenseur que j'ai pas besoin de suite. J'aurais dû tirer dessus, je dois aller l'écraser s'il se lève debout. Chiennasse.
Je ne sais pas ce qui se passe. Le vaisseau aurait été attaqué, mais qui voudrait nous attaquer? D'abord, le capitaine meurt, et maintenant, une attaque? Selon Carmack, c'est un membre de l'équipage qui a tué. Foutesse, c'est le chaos ici. Je ne peux plus atteindre. C'est le chaos ici. Je ne peux plus atteindre la passerelle. Ou qui que ce soit. Tout le monde tente de fuir de cet enfer. Je vais faire pareil. Un pour tous et tous pour un. Non, c'est qui survit? Je crisse mon camp. Lance-flamme. Ok, c'est bon. Quand tu le prends, tu vas en stock, puis là, il fait une espèce de moule. C'est réglé, t'as plus besoin de l'avoir sur toi après. J'aurais dû aller vendre des balles.
Et ça fait un tour. Qu'est-ce que tu vas manger pour souper, Jess? Anomalie. Ah, peut-être que je peux l'utiliser pour descendre, mais je le ferai pas tout de suite. Regarder rapidement. Tabarnak! Un petit saumon là. Je pense que je vais me faire des ramen. Je vais commander sur... Amazon, 10 paquets de ramen différents du Japon épicés, puis sans épicé. Non, je pense pas que ça va être du Japon, c'est pas vrai, parce que c'est écran. C'est une autre marque là, différente là, que les ramen cheap. Là. C'est 40$ pour 10 paquets, ça, c'est pas si pire.
Fallait pas le laisser vivre. T'écoutes pas. Là, faut que je bombe, je vais rien qu'aller voir ce qu'il y a en haut ici. Ce petit bébé là, il fait mal. Il nous reste 11 balles, pareil. J'ai un autre gun, mais... Où tu suis? Je suis jamais allé. Hein. Je suis comme à une place différente, mais ah non, t'es là. T'es là. Ok, 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 je sais ce que je suis. Des escaliers.
d'énergie activé. Moteur principal prêt pour activation. Quoi que vous ayez fait, ça marche, Isaac. L'énergie est revenue. Les réserves sont pas pleines, mais si vous relancez le moteur, notre orbite devrait se rétablir. Qu'est-ce que... Fausse alerte. J'ai cru voir une ombre. Ok, je suis revenu au début, je comprends. Pourquoi je peux pas? Déplacer, bon, c'est ça. Avoir une nouvelle habille. Oh, je suis sexy. Rien qu'aller chercher quelque chose qui traîne en bas ici. Là.
J'ai des balles dans le plancher, ça. Non, j'en avais plus que ça. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dead Space, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!